Ce vendredi 7 juillet, à l'occasion de la Kermesse, un festival niçois mettant en avant des artistes emblématiques des années 2000, la chanteuse La Rousseau a accordé une interview à Nice Matin. L'artiste de 43 ans, qui était à l'affiche de l'événement la veille, a notamment pu livrer ses impressions de sa performance sur scène. Je suis toujours émerveillé, c'est le mot. Et surtout très reconnaissante, a-t-elle avoué. Au cours de l'échange, l'interprète de Tu m'oublieras a notamment évoqué son avenir, expliquant qu'elle ne voulait pas travailler sur un nouvel album. La raison? Sa priorité, c'est la scène. C'est un bonheur pour moi. Je ne suis pas une nana qui court après le cachet, je me dis surtout que je vais m'amuser. Et ça, les gens le ressentent, a-t-elle indiqué. En même temps, il faut dire que La Rousseau est déjà comblée avec ses anciens titres. Le public connaît d'autres morceaux, qu'il chante avec moi, a-t-elle souligné, fière de faire se lever les foules après tant d'années. Alors, non, même si certains la considèrent comme une one hit wonder, la chanteuse n'est pas près de retrouver les cabines de studio. Même si on a envie de me cantonner à ça, je m'en fiche. Parce que je suis fier. Cette chanson, cela n'a jamais été un fardeau, c'est un cadeau. C'est mon lien avec les gens et elle est canon cette chanson. A-t-elle poursuivi. Supérieure à Dorothée, Jordi, La Rousseau. Que deviennent les stars des années 90. La Rousseau, ses confidences sur Mask Singer, c'était aussi un vrai défi désormais. La Rousseau arpente les salles de spectacle pour faire revivre une période marquante à ses auditeurs. Mais ce n'est pas tout. Celle qui a partagé la scène avec Johnny Hallyday a également fait sensation en remportant la deuxième saison de Mask Singer, en 2020, dans son costume de manchot. Une expérience qu'elle voyait comme un challenge génial. Ce qui me motivait beaucoup, c'était de voir qu'on m'écouterait sans apposer une quelconque étiquette, a-t-elle confié à nos confrères de Nice Matin. Et de conclure, et essayer de faire passer des émotions à travers un costume de manchot, sans pouvoir compter sur les expressions du visage, c'était aussi un vrai défi. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, Cédric Perrin.